Oui, on commence à avoir du choix. Enfin, il y en a toujours 14 dehors quand même. Hein. Donc, non, on a rentré un peu de monde. On en a sorti par rapport au week-end dernier aussi sur blessure. Donc, c'est. Voilà, mais il y a plus de rentrants que de sortants. Quoique, non, ça peut préparer. Donc, non, ça fait du bien. On commence à être un nombre conséquent pour s'entraîner. C'est plus facile. Puis, pour faire l'équipe, on a plus d'options et plus de choix. Tu sens l'émulation monter aussi, la concurrence qui transpire? Oui, on sent quand même que là, voilà, il y a plusieurs joueurs au même poste, il y a différents profils. Et puis les joueurs, ils regardent ce qu'il y a sur le terrain, ils regardent ce qu'il y a à l'infirmerie. Ils se disent à un moment donné, quand on va tous y être, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Donc, non, on sent beaucoup d'émulation, chose qu'il n'y avait pas eu depuis très longtemps. Et on sent aussi beaucoup de concentration et d'envie de bien faire. Ça fait envie, je vais dire, parce que. On va quand même se confronter à ce qui se fait de mieux. Ils sortent d'une victoire à La Rochelle, donc ils confortent leur position de double champion, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est quand même une équipe qui fonctionne très bien. Chez eux, ça va être leur retour à domicile avec leur public. Donc, ils auront une certaine pression, mais nous, on a quelque chose à faire. Il faut qu'on montre un bon visage parce que c'est ce qui se fait de mieux. Et voilà, c'est tout. Voilà, la dernière semaine de préparation, enfin au stage, j'ai pris un pet au mollet, du coup je pouvais pas postuler la semaine dernière. Voilà, ça m'a un peu embêté sur la fin de la préparation, mais voilà, je suis bien revenu depuis, donc ça va. Bon, la préparation était franchement dure. On s'est entraîné dur depuis qu'on est rentré, enfin depuis qu'on est revenu des vacances. C'est bien passé, franchement, ça a été plutôt studieux, j'ai envie de te dire. Tout le monde a baissé la tête, a fait tout ce qu'il y avait à faire sans, voilà, avec simplement la volonté de bien attaquer la saison. Voilà, il y avait pas mal de nouvelles têtes, pas mal de jeunes, surtout au début, même si là on commence à retrouver un groupe un peu plus étoffé, donc c'est bien aussi. Mais au début, voilà, il y avait pas mal. Voilà, c'était beaucoup de contenu physique. Donc voilà, pas mal de. Enfin, une grosse charge d'entraînement. Et là, ça commence à basculer plus en mode fin. Compétition, donc c'est des semaines plus comment dire, plus calibrées, et c'est voilà, c'est des belles semaines d'entraînement qu'on fait. Non, mais je m'attends à, quand on voit le match qu'ils font à La Rochelle, je m'attends à jouer le champion d'Europe et le champion de France, tout simplement. On sait où on met les pieds, on sait la qualité d'effectifs qu'ils ont, on sait qu'ils vont rentrer encore des joueurs ce week-end. Voilà, à partir de là, mais je trouve que quand on est compétiteur et qu'on veut jouer le haut du tableau et qu'on est un joueur de haut niveau, je trouve que jouer contre Toulouse dans cette configuration-là, c'est un luxe. Donc voilà, je veux qu'on y aille sans appréhension, mais par contre qu'on sache où on va mettre les pieds. Parce que si on ne sait pas où on met les pieds, on l'a vu en match amical, on l'a vu l'année dernière quand on a été chez eux. Voilà, il faut d'abord rivaliser dans l'engagement. Parce que si on ne rivalise pas dans l'engagement, déjà eux s'installent dans le match et ils sont très prolifiques. Et si en plus on veut commencer à produire sans s'engager en jetant les ballons, là c'est double peine. Comme on a vu il y a 2 semaines quand on les a joués à Nîmes. Donc voilà, mais je trouve que voilà, c'est bien de jouer Toulouse là maintenant, se confronter à ce qui se fait de mieux, aux champions d'Europe, aux champions de France, même si c'est un début de saison pour eux. Je trouve que c'est un match qui sera révélateur pour nous aussi. Puis on verra si on a réduit un peu l'écart par rapport à il y a 2 semaines. Ce sera ça qui sera intéressant aussi. Bon, on a revu quelques images, à vrai dire, parce que il y a pas mal de choses qu'il faut corriger. Voilà, bon, on s'appuie dessus parce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs que sur ce match. Voilà, on a du match de Toulouse jusqu'au match de Montpellier, je pense qu'on a changé pas mal de choses. On a montré un visage intéressant contre Montpellier, même si au bout du compte, il y a un match nul frustrant. Mais voilà, on s'appuie plus sur ce qu'on a pu produire contre Montpellier et ce qu'on a vu sur le premier match de Toulouse en championnat et notre entraînement voilà, cette semaine. Oui, après ça reste, même s'il y a un enjeu comptable avec des points, même si on sait qu'on a laissé 2 points en route le week-end dernier. Voilà, mais ça reste un match intéressant pour s'évaluer, même si on rentre des joueurs aujourd'hui qui vont découvrir l'équipe, le groupe, tout ça. Ça reste un match de rugby avec des points en jeu et de jouer dans un stade qui sera plein. Voilà, parce que je crois que le président Didier Lacroix l'a annoncé. Et jouer contre Toulouse avec tous ses internationaux quasiment
Et surtout avec le doublé qu'ils ont fait la saison dernière, voilà, je trouve que ça doit servir de motivation et ça va permettre nous de nous étalonner à cette période-là où on en est. Puis surtout par rapport au match il y a deux semaines, savoir si on a su rectifier les choses et si on a su prendre conscience de certaines choses. Bah franchement, tu sais, jouer Toulouse chez eux, que ce soit au début de la saison, au milieu de la saison, en fin de saison, aujourd'hui c'est une équipe qui a une équipe sûre d'elle, qui a un rugby qui fonctionne. Quel que soit l'adversaire, quel que soit. Voilà, après c'est aussi en jouant contre les meilleurs que tu vois aussi ce que tu veux, que ce que tu vaux en termes de collectif, mais aussi en termes individuels. T'as la chance de jouer contre les champions, il faut répondre présent tout simplement. Donc voilà, c'est des matchs qui sont pas très durs à préparer, j'ai envie de te dire. Parce que t'as ce qui se fait de mieux en face, donc, voilà, soit tu baisses la tête, soit tu te relèves les manches. Donc, voilà, il y a un gros test face à Toulouse ce week-end, dans un contexte aussi où ils retrouvent leur stade, retrouvent leur public. Donc, ça sera chaud.